Et bonjour à toutes et à tous. Alors vous m'excuserez, j'ai le nez bouché et la gorge un peu irritée, mais on va essayer quand même. Donc de faire cette petite vidéo. Alors encore une vidéo facecam, vous allez en avoir marre à un moment donné de voir ma tronche, mais simplement parce que en fait j'ai fait un nouveau truc là. Alors ça va peut-être pas plaire, ça va peut-être pas, mais je m'en fous. Comme d'habitude, je fais pas ça pour gagner de l'argent. Mais simplement, on va parler un petit peu de la chaîne, de l'avenir. De ce que j'ai envie de faire et des financements pour faire ce genre de truc. J'ai pas envie de faire un Tipeee, de faire ce genre de truc, parce que j'ai vu tellement de youtubeurs avoir des emmerdes à cause de ça. Les gamins qui piquent les cartes bleues des parents, qui font des dons de 100 euros, 200 euros, et les parents qui portent plainte en disant que c'est le youtubeur en question qui a forcé les gamins, parce que leur gentil et génial, mignon petit enfant, il peut pas avoir volé la carte de ses parents. Pour avoir fait et avoir fait une connerie, c'est pas possible, c'est forcément de la faute des autres. Donc j'ai pas envie de finir au tribunal pour une connerie comme ça. Simplement, et j'ai pas envie non plus de vous imposer des pubs sur les vidéos ou quoi, parce que moi c'est le genre de truc, la dernière fois j'ai regardé une vidéo d'un quart d'heure, j'ai eu trois pubs. C'est pire que la télé. Donc je sais bien qu'il y en a certains, ils vivent de ça et c'est normal, mais quand t'as trois pubs en 15 minutes, à un moment donné, c'est pire que la télé et ça m'énerve. Donc je veux pas vous imposer ça non plus. Donc j'ai ouvert une boutique. Comme ça, chacun fait comme il veut. Celui qui veut acheter un truc, il achète un truc. Ça fait quelques jours qu'il y a le petit logo dans ma bannière YouTube. Donc là, il y a un code promo qui est validé. Je crois que ça se fait automatiquement à votre commande. Il y a 15% de réduction là pendant 15 jours. Et je crois que courant janvier, il y aura une autre promo qui va s'enchaîner. En ce début d'année, fin d'année, début d'année, il y aura des promos. C'est une boutique, alors j'ai pas là malheureusement le pull, je vais en recevoir un. J'aurais bien aimé vous faire cette vidéo avec le pull sur le dos, mais malheureusement c'est pas le cas. Et comme là il y a une promo en cours, je préférais vous faire la vidéo avant de le recevoir pour que vous puissiez éventuellement profiter de la promo si ça vous intéresse. Donc c'est une boutique, alors pour l'instant c'est un petit logo avec le nom de la chaîne et son slogan que j'ai fait moi-même. Donc je ne suis pas dessinateur, je ne suis pas tout ça, je suis pas très doué avec tout ça. Donc c'est pas un logo de ouf et tout. Mais ça va du petit badge, enfin les 5 badges, au tapis de souris, au coque de téléphone, jusqu'au t-shirt, au pull. Il y a pour homme, pour femme, il y a même des body bio pour bébé. Voilà, j'ai essayé de faire des trucs assez larges. Il doit y avoir une casquette aussi, un modèle de casquette ou deux. Je ne sais plus exactement. Enfin, j'ai fait tellement de choses depuis hier soir et j'ai creusé. Et j'ai commencé à contacter des dessinateurs pour faire, on va dire, des vrais designs bien plus évolués. Le problème, c'est que sur ceux que j'ai contactés, en général, c'est entre 20 et 40 euros de l'heure pour travailler sur un design. Et sachant que les quelques idées que j'ai, il y en a pour plus d'une heure de boulot, ça c'est sûr. Donc si c'est un design qui me revient à 150 euros, bon, c'est pas que je veux pas le faire, mais il faut que je sois sûr que derrière, il y ait du monde à qui ça plaît, que ça se vende un petit peu et que ça rapporte un petit peu d'argent pour la chaîne. Parce que si je mets 150 euros dans un design et que au final ça plaît pas. Ça fout un peu la merde. Donc, ou alors, si quelqu'un qui est pas professionnel, éventuellement peut me filer un coup de main pour beaucoup moins cher que ça, ça m'arrangerait bien. Parce que j'ai demandé à des gens qui sont professionnels, c'est leur métier, ils ont une entreprise à faire tourner, donc c'est des tarifs, quoi, c'est normal. Mais si quelqu'un éventuellement amateur veut bien me filer un coup de main, ça m'arrangerait bien. Évidemment, ce sera pas gratuit, quoi qu'il arrive. Je ne ferai pas travailler quelqu'un sans rien lui donner en retour, éventuellement je fais un appel. Si quelqu'un sait dessiner et maîtrise les Photoshop et les palettes graphiques et tous ces trucs pour lesquels je suis affreusement mauvais, ça m'arrangerait beaucoup. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Parce que je pense que c'est la meilleure alternative. Après, il faut savoir qu'au niveau des tarifs, j'ai fait en sorte que ce soit le plus bas possible. C'est-à-dire que vous avez le prix de base de l'objet, donc du t-shirt, du tapis de souris, du pull, de ce que vous voulez.
Et ensuite, vous avez la marge que je vais faire, plus le prix du design, en fait. Et j'ai mis les designs, il y en a deux pour l'instant, j'ai mis les designs à 0 euros. C'est-à-dire que le seul ajout qu'il y a par rapport au prix de base sur l'objet, c'est la marge que je vais faire dessus. Et la marge, en gros, elle doit être entre 1 euro et 3,50 euros, je crois, pour le truc le plus cher. C'est ce que je récupère sur une vente. Donc, vous voyez, je fais pas ça pour me faire de l'argent. Sinon, j'aurais foutu le prix du logo à 2-3 euros et puis j'aurais récupéré entre 3 et 7 euros sur chaque vente. Et c'est absolument pas le but. Moi, je voulais rester dans des tarifs corrects. Un t-shirt à 18 euros, en gros, ça me paraît correct. En dessous de 20 euros, quoi. Pour moi, un t-shirt, ça doit être en dessous de 20 euros. Le pull, il doit être à une trentaine d'euros. Enfin, voilà, c'est les coques sont à 15 euros à peu près. Alors, pour les coques, ce sera iPhone 7, 8, X et XS, je crois. Oui, c'est ça, il a XS. Je sais plus, je n'ai pas d'iPhone, alors je sais plus. Et Galaxy S7, S8, S9. Je ne peux pas pour l'instant faire d'autres modèles. On ne m'a pas proposé d'autres modèles, malheureusement. Je peux même pas en avoir une pour le mien, du coup. C'est dommage, mais bon, peut-être que ça viendra. Mais voilà, ça me paraissait être la meilleure alternative. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'aimerais bien un petit peu acheter du matos pour faire des petites émissions, des choses comme ça, que je faisais pas avant, un petit fond vert, ou essayer de maîtriser tous ces trucs-là. Et puis surtout, là, par exemple, j'ai ça à tester. Dans le bon sens, c'est mieux. Et j'aimerais bien multiplier ce genre de vidéo. Alors, ça ne remplacera pas le jeu vidéo, évidemment. Pardon. Mais faire plus de vidéos comme ça. Et pour faire plus de vidéos comme celle-là. Ouf, ça coûte des sous. Je fais tomber. Je sais même pas ce que c'est qui est tombé. Ça coûte des sous. Et déjà que les jeux en général que je vous fais en vidéo, c'est des jeux que j'achète parce que j'ai envie de les faire. C'est pour ça que je vous fais pas tous les jeux. Parce que les jeux qui me plaisent pas, je les achète pas juste pour en faire une vidéo. Ça m'intéresse pas. Mais ce genre d'objet, j'aimerais bien pouvoir vous en tester tout en restant libre de ce que je veux dire, libre de ce que je veux vous montrer. Je veux parler librement. Donc je veux pas que ce. Enfin, après, si un jour une société me propose de m'envoyer un truc et me dit que je peux faire ce que je veux et me laisse faire ce que je veux, j'accepterai, mais dans le cas contraire, je refuserai automatiquement. Parce que je veux pouvoir rester libre de ma parole et de mes mouvements, et voilà. Donc, la meilleure alternative, pour moi, c'est celle-là. Après, il faut que je vois un site qu'on m'a proposé, c'est un truc avec des liens qui envoie vers des petites pubs, des trucs comme ça, qui peuvent rapporter quelques centimes ou quelques euros. Et ça vous imposerait pas non plus des pubs sur les vidéos. Donc il faut que éventuellement peut-être que je mette ça en place aussi. Mais pour moi déjà la meilleure alternative, ça a été celle-là. Parce que ça vous permet en plus d'avoir un objet du coup, éventuellement pour ceux que ça intéresse. Et moi ça pourrait me permettre de développer ce truc-là. Donc voilà, après vous en pensez ce que vous voulez. Sachant que je dois être un des rares youtubeurs à pas répéter 20 fois dans la vidéo qu'il faut la partager, qu'il faut la liker, qu'il faut s'abonner, c'est quelque chose que je ne dis absolument dans aucune vidéo. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos, il n'y a aucune vidéo où vous m'entendrez dire, même à la fin, hein, qu'il faut la liker, la partager, s'abonner, machin. Je ne le dis jamais parce que c'est quelque chose, c'est pareil, les gens qui commencent leur vidéo depuis 10 secondes et qui vous disent déjà de mettre un pouce et puis de partager et tout, alors que t'as même pas vu la vidéo encore. C'est un truc qui a le don de m'énerver et tout le monde fait ça aujourd'hui. Moi, je pars du principe que quelqu'un qui va regarder ta vidéo, si ton travail lui a plu, il va s'abonner de toute façon ou il va en regarder une autre. Après, je comprends pour ceux qui vivent de ça, mais moi, je pars du principe que ce sera fait automatiquement. Donc, il n'y a pas besoin de quémander comme ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Les gens qui font des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, vous pouvez penser ce que vous voulez du fait d'ouvrir une boutique et tout, mais je pense que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez bien remarqué que je cours pas après l'argent, que j'ai absolument jamais rien fait pour en gagner avec ça, que j'ai refusé des choses, que j'ai dénoncé aussi des choses parfois. Que j'aurais pas dû dénoncer peut-être parce que ça aurait pu m'en rapporter derrière, mais c'est pas grave.
Je m'en fous. Et donc voilà. Pour moi, c'était la meilleure alternative. C'était d'ouvrir cette boutique. Maintenant, moi, ça me coûte rien là. Je peux la fermer comme je veux, quand je veux, ça me coûte rien. Si ça intéresse du monde, eh ben, allez-y. Si ça intéresse pas, bah tant pis. Écoutez, c'est pas grave. Je la laisserai là quand même. Et puis peut-être que quand la communauté grandira, ça finira par intéresser des gens. Et je fais pas ça pour gagner du pognon. Je fais ça pour essayer de moins en dépenser. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour moins en dépenser. Parce que moi, à côté, bah, je suis comme tout le monde. J'ai une famille. Je vais avoir une maison à payer, j'ai une vie, donc si je pouvais continuer de faire tourner la chaîne comme elle tourne là, en ajoutant en plus du contenu, en ajoutant des idées, en ajoutant des choses, en étoffant un peu tout ça, en dépensant un peu moins d'argent, ça m'arrangerait bien, parce que même si j'ai une situation dans laquelle je ne suis pas à plaindre, je ne suis pas blindé non plus. Donc ce serait plutôt pas mal. Voilà. Donc écoutez, maintenant vous en pensez ce que vous voulez. Je vous ai donné, je pense, toutes les infos. La boutique, bah, elle va se retrouver maintenant en QR code avec la page Facebook, la page Twitter, en outro des vidéos. Se trouvera aussi dans la description de la vidéo. Pardon, hein, j'ai la voix qui part en vrille. Donc vous pouvez retrouver des produits dès maintenant. Dans un peu toutes les catégories, il y a des produits. Et aller faire un tour dessus. Voilà, donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.